Alors, vous savez que dans mes cafés philo, j'ai souvent affaire à des gens qui sont très ignares à toutes sortes de niveaux. Et il y a trois formes d'ignorance. Il y a l'ignorance philosophique, c'est la capacité de réfléchir par soi-même, d'être dans une sorte de logique, de cohérence, en disant, voilà, enfin, de tel facteur, est-ce qu'on peut donner tel autre facteur, ou est-ce qu'il n'y a pas une distorsion? Ignorance historique. Ignorance culturelle, les gens n'ont pas les repères, les connaissances nécessaires, et ignorance que je dirais, que je qualifierais de scripturaire en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas les textes religieux, bibliques, auxquels ils se réfèrent eux-mêmes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la synthèse ou le croisement entre ces trois niveaux. Le niveau philosophique, ontologique, le niveau historique et le niveau scripturaire. Parce que le niveau scripturaire, il faut faire un tri, hein, pour, comme on dit, séparer le bon grain de l'ivraie. Je veux dire par là que le niveau scripturaire, ça signifie qu'il y a dans les mythes en général, moi je préfère parler des mythes, il y a un certain nombre de mythes qui reviennent et qui nous renvoient à une humanité extrêmement ancienne, à une histoire extrêmement ancienne, à une sorte de préhistoire, ou plus exactement à une matrice. Alors cette matrice, elle est transposée, elle est véhiculée dans les textes, dans les écritures, par un processus de post-datation, c'est-à-dire qu'on va réutiliser